là où le titulaire du bac pro SN est une ou un professionnel qualifié. Le baccalauréat professionnel SN aborde l'ensemble des compétences professionnelles permettant aux techniciens d'exercer les activités liées à la préparation, l'installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance préventive, corrective et curative, diagnostic, dépannage et réparation. Là où le titulaire de l'option B audiovisuel, réseau et équipement domestique, a acquis les compétences pour intervenir sur les installations et équipements, matériels et logiciels, entrant dans la constitution de systèmes numériques dans le domaine des installations audiovisuelles multimédia, systèmes de lecture et d'enregistrement numérique, de restitution du son et de l'image, système centralisé de commande avec périphérique multimédia, sans oublier la domotique, gestion d'énergie dans l'habitat, e-santé. Il pourra aussi intervenir dans le domaine de l'électrodomestique, système de production de froid, de traitement du linge. Ses compétences recouvrent aussi le domaine de l'éclairage et de la sonorisation pour l'activité scénique. Il y a 22 semaines de période en entreprise. Pendant notre période de bac, nous avons des périodes de PFMP, période de formation en milieu professionnel. Tout le reste du temps se fait au travers d'activités pratiques qui ont lieu donc dans cette salle de cours. Le technicien doit être patient, motivé. J'ai choisi cette filière parce que c'est un domaine qui est en constante évolution. On a toujours quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau des normes. Les jeunes qui sont intéressés par des études de cycle court, donc juste 3 ans, peuvent aller travailler chez un électricien, chez des gens qui font de l'installation un petit peu de domotique, du portail. Après, effectivement, il faut penser à faire un minimum un bac plus 2. Donc pour faire une poursuite d'études sur un BTS, ça permet de travailler dans des bureaux d'études, faire du technico-commercial, faire de l'installation.